Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvel épisode de Faux Départ. Je suis avec aujourd'hui Sergio et Milena et je suis toute contente, comme je leur ai dit avant de commencer cet enregistrement, parce qu'on est en train d'inverser la tendance chez nous. On en a un petit peu marre de sortir les mouchoirs à chaque fois avec des récits catastrophes. Et on voit sur vos têtes, vous deux, que vous êtes super rayonnants. Vous avez eu votre premier bébé il y a 6 jours maintenant, c'est bien ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et nous, on n'en revient pas dans le mastermind de la naissance. Je crois même qu'il y a une des membres qui t'a demandé, Milena, comment tu fais pour avoir une si bonne mine? Tu viens d'accoucher. Bon, toi aussi, Sergio. En fait, voilà, on va aujourd'hui vous demander, partager, comment vous vous sentez après cette expérience qui est quand même pas courante aujourd'hui, mais de plus en plus demandée. Donc, vous êtes en Suisse. C'est votre premier bébé qui vient naître, votre petit chouchou. J'avais envie déjà de vous dire bravo et félicitations parce que quand on s'est vu, donc juste pour ceux qui savent pas comment fonctionne le mastermind, on se voit en général 2 fois par semaine dans des ateliers en petits groupes. Et vous êtes venu raconter la naissance de votre fils Orlando, donc il y a quelques jours. Et je ne sais plus si c'était toi, Sergio, ou toi, Milena, qui a dit « Ah, mais nos amis nous ont traités de hippies » ou « Notre entourage nous a dit qu'on était des hippies ». Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression d'être finalement ceux qui se démarquent dans cette naissance différente dans votre entourage? Comment vous le percevez-vous? Alors moi, je suis très contente d'être précurseur dans cette démarche, dans notre milieu. Parce que ben, du coup, on peut témoigner d'une belle expérience, de montrer que c'est possible, qu'on est capable d'accoucher à la maison, d'organiser les choses en fonction, avec tout le corps médical si on a besoin ou pas, d'être accompagné par une sage-femme, et puis de mettre en place à la maison une aide, c'est-à-dire aide cuisinière, ménagère, et on n'est pas moins bien à la maison, au contraire. Comme dit Sergio, c'est un luxe. En fait, moi, je me souviens quand on s'est connus il y a quelques mois de ça. Hein, vous nous avez appelé pour cet accompagnement. C'était pas clair où vous vouliez accueillir votre bébé, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé de « on ne sait pas » à « ah ben, on a envie de l'accueillir à la maison, notre bébé ». Qu'est-ce qui s'est passé dans votre démarche? Déjà, on est très curieux, donc on a voulu comprendre un peu où est-ce qu'on pouvait accoucher. Donc, on a visité beaucoup de lieux. Donc des hôpitaux, des cliniques privées, 7 ou 8. On a fait le tour. On a fait vraiment le tour. Et puis à chaque fois, l'accueil n'était pas en adéquation avec ce qu'on souhaitait pour notre accouchement. Donc on se posait des questions et on se disait bon. En fait, on est parti d'une entre guillemets normale, la norme aujourd'hui, et on a déconstruit. Exactement, ouais. Et puis effectivement, les lieux étaient sympas, mais c'est tout quoi. Après le reste, comment ça se passait, qui c'est qui nous suivait, comment on allait accoucher, c'était un l'humain, peu l'humain, ouais. L'humain n'était pas là et nous on souhaitait que ce soit plutôt humain. Et puis cette relation humaine n'était pas présente et du coup on se posait la question mais qui c'est qui va nous accoucher, qui c'est qui va nous suivre, comment ça va se passer. Enfin, il y avait trop de questions et sans réponse en fait. Donc on a voulu avoir des réponses à ces questions. C'est quand on a commencé le suivi avec notre sage-femme, c'est là où on s'est senti à l'aise, justement, où c'était vraiment personnalisé, où c'était vraiment l'humain mis en avant, la femme, l'homme, le couple, ce projet de naissance. C'était pas, on arrive dans une grosse structure qui certes fonctionne, on est un numéro et puis le job c'est à telle heure on accouche, à telle heure on fait ci, à telle heure on fait une injection. On n'était pas, Quand on s'est rencontrés, il me semble que tu étais suivie par un gynécologue. Et puis, tu me disais, moi, je suis entourée de récits autour de moi où les mamans, en fait, n'ont pas vécu une naissance épanouissante, voire même plutôt compliquée. Est-ce que aujourd'hui, tu peux nous dire comment tu te sens après avoir accouché chez toi? Alors, c'est vrai que avant le projet bébé, une grande phase, une grande période du début de la grossesse, et même avant, j'avais eu que des récits catastrophes, effectivement, autour de moi. Donc, on a l'âge, donc autour de nous, on a beaucoup de bébés, beaucoup d'amis enceintes et beaucoup de naissances depuis quelques années.
2 ans au moins. Et c'est vrai que j'ai entendu que des récits catastrophes avec forceps, ventouses, tête déformée, rééducation, ah non, pas fini. Du périnée. Ouais. Rééducation du périnée, mais rééducation de la tête du bébé, des yeux du bébé. Enfin, que des choses traumatisantes. Et je me suis dit, mais si accoucher, c'est ça, moi, je veux pas. Et, mais on avait quand même la foi et de se dire, mais il y a sûrement un moyen de que ça soit, enfin, que ce soit viable et que ce soit, que agréable. Ça se passe bien, parce que bon, on accouche quand même depuis la nuit des temps. Enfin, sinon, on n'aurait pas peuplé la planète. Et c'est dans cette démarche qu'on a voulu bah, justement creuser, chercher et comprendre un peu ce sujet. Puis bon, après, les choses ont fait que aussi, j'ai une amie qui m'a donné ton livre. Et puis là, c'était le premier récit, beau récit positif que j'ai lu. Et d'ailleurs, j'ai vu le titre, je me suis dit, faux départ, c'est dommage. Ce serait bien de parler de beaux accouchements, et donc je suis heureuse de pouvoir aussi témoigner d'un bel accouchement aujourd'hui. Oui, justement, en fait, c'est vrai que je ne sais pas comment vous nous avez connus, comment vous êtes arrivée dans le mastermind de la naissance, on n'en a jamais parlé. Alors on a, c'est tout un alignement divin, je pense, qui a fait toutes ces choses qui ont découlé en fait, parce que c'était. Enfin, tout s'est mis en place parfaitement, en fait. Naturellement, ouais. Alors, comment ça a commencé, j'ai une amie qui est photographe et qui développe aussi son côté un peu holistique, enfin holistique et photographie. Et elle accompagne des couples, des femmes enceintes dans la photo. Et j'étais chez elle cet été et elle m'a donné ton livre, prêté ton livre, et je l'ai lu. Et voilà. Et puis après, je me suis renseignée. Après, j'ai eu une publicité où je pouvais te demander un rendez-vous. Et puis, on a fait ce rendez-vous. Et puis, on est venu dans le carnet. Je me souviens, en plus, vous étiez chacun de votre côté dans votre bureau. Ouais. Le couple vraiment 2024, hyper occupé. Sergio en costard-cravate. Il me dit, oui, alors nous, on veut des données très scientifiques parce que bon, on ne veut pas prendre de risques pour notre bébé. Je rappelle que souvent, on se dit, alors, soit il y a le côté sacré où on met les hippies, les hurluberlus et je ne sais pas quoi, ou alors le côté scientifique, les médecins, les blouses blanches. Et là, c'est sérieux, en fait. C'est juste. Et moi, je me suis toujours dit, mais en fait, pourquoi ? Pourquoi ces mondes-là, ils se rencontrent pas ? Parce que si en 2024, on continue de penser que le sacré n'est pas une démarche scientifique, n'est pas relié, ça veut dire qu'on n'a pas le Wi-Fi chez soi. Ça veut dire qu'on ne considère pas que le signal Wi-Fi est quelque chose de tangible. Moi, j'ai toujours dit, si, coupe le Wi-Fi chez toi, puis on verra comment tu communiques. Enlève on verra comment tu communiques avec les gens à distance. Et là, souvent, on me dit, ah oui, c'est vrai. Ben, en fait, c'est ça que vous êtes venu chercher probablement, sans avoir encore perçu, parce que Sergio, je voulais que tu témoignes une chose que tu nous as racontée l'autre jour dans l'atelier. Tu disais, j'étais tellement connectée à Milena, je me suis retrouvée à lui donner mon énergie. Et souvent, les hommes, ils disent, on ne sait pas quoi faire pendant l'accouchement, on ne sait pas comment aider notre femme. Comment toi, tu l'as vécu ce moment? C'était quoi, en fait, ce que tu as ressenti pendant cet accouchement? Alors, j'ai ressenti quelque chose de magnifique, de merveilleux. Alors, comment je l'ai vécu? C'est vrai que j'ai mis du temps à prendre conscience de ce qui se passait, parce que effectivement le travail a commencé tôt le matin. Puis, au fur et à mesure du temps, je commençais à observer Milena, et puis, effectivement, on avait créé une atmosphère aussi en adéquation avec la volonté de Milena, parce qu'elle voulait créer une atmosphère un peu en pénombre et puis naturelle dans la nature, un peu avec de la musique naturelle douce, voilà, des bruits blancs, et en fait effectivement j'ai ressenti comme une énergie, quoi. Je sentais cette énergie forte, parce que les contractions, forcément, c'est comme intense. Et je commençais à ressentir ça, et puis au début, je posais beaucoup de questions à Milena parce que je souhaitais bien faire. Mais effectivement, j'utilisais plutôt mon cerveau que
que le ressenti. Et puis, elle me disait tout le temps, arrête de me poser des questions. Puis là, j'ai compris que, alors là, je fais mal, même si je veux bien le faire. Et puis, tout naturellement, en fait, j'ai lâché prise. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre ce qu'elle souhaitait sans parler. Parce que je dis, elle veut pas que je pose des questions, donc comment je peux essayer de communiquer avec elle et puis répondre à ses besoins? Donc, en fait, je me suis forcé, mais c'est naturel, à pas parler. Et du coup, en ne pas parlant, bah, naturellement, j'ai essayé de me connecter avec elle. Et t'as très bien réussi. Et voilà. Oui, c'est ça, Milena, c'est que tu disais, il m'a donné, Sergio et moi, on était connectés. Il m'a donné vraiment son énergie, surtout dans la partie intense, hein, très intense du travail. Comment toi, tu l'as vécu, Milena? Alors, ça m'a aidé énormément à tenir dans la dernière phase, justement à partir de la phase active jusqu'à la désespérance, jusqu'à la poussée. C'est là où vraiment j'avais besoin de sentir sa présence, mais par le toucher, par exemple, en pouvant m'agripper sur ses bras, ou par le fait que justement j'avais chaud dans la partie haute du corps, donc je lui avais demandé de mettre des compresses froides. Et le fait de tenir ma tête dans le vide avec ses compresses froides et de sentir sa force dans ses bras et qu'il puisse faire ça et tout en étant inconfortable et de se dire bah on est ensemble dans l'effort et on va arriver au bout ensemble et on va délivrer notre fils ensemble et ouais c'est vraiment un teamwork quoi. Ouais, mais si je peux ajouter aussi pour faire suite à ta question. C'est qu'en fait, j'ai porté mon attention sur elle et donc j'ai porté ma concentration sur elle. Ouais. Et donc, en fait, j'ai vraiment été avec elle, quoi. J'ai pensé à rien d'autre, vraiment que à elle. On est dans l'effort ensemble. Ouais, c'est ça. Essayer de savoir comment faire pour pouvoir l'accompagner au mieux. Voilà. Et puis, à un moment, il me donnait à boire, il me proposait de l'eau. Si j'en voulais pas, il le retirait. Enfin, il était. Je prenais des initiatives, ouais. En fait. C'est ça. C'était d'ailleurs votre accouchement, comme tu le dis bien, Sergio. Moi, c'est vraiment un mot que j'entends tout le temps quand les parents se réapproprient ce moment-là. Ils disent « on a accouché, notre accouchement ». C'est pas ma femme qui a accouché, c'est notre accouchement, on l'a fait ensemble. Et Sergio, t'as dit quelque chose que j'ai adoré l'autre jour, c'est « ah, je regardais Milena, elle était tellement connectée au bébé, elle savait tout ce qu'elle devait faire ». Comment tu pourrais réexpliquer ça à ceux qui ne sont pas dans le mastermind, donc qui ne t'ont pas entendu témoigner de ça, mais comment toi, t'as vu Milena dans ce moment-là? Tu disais qu'elle était tellement connectée, elle savait tout faire. Bah, c'est un peu le même schéma que moi, c'est qu'elle se concentrait sur son bébé. Je ressentais qu'elle était en train de comprendre comment pouvoir faire en sorte que les contractions puissent le pousser tranquillement et puis justement elle essayer de reprendre son énergie pour pouvoir pousser. Puis ce qui je trouvais magnifique, j'en ai des frissons d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit que je travaille avec mon bébé, je le sens, il est avec moi, il est fort, il a son job à faire et tout. Et puis c'est rien que j'ai des frissons rien qu'en parler parce que je trouve ça magnifique quoi, genre c'est la nature. C'est ce que tu disais à Sergio pendant l'accouchement, Milena? Oui, bah en fait je le sentais et c'est justement de temps en temps on faisait des contrôles avec un stéthoscope, je sais pas, pour sentir, pour écouter le cœur. Ouais, un petit Doppler, ouais, un petit monitoring portable. Voilà. Et en fait moi j'en avais pas du tout besoin, je ressentais pas le besoin d'écouter son cœur parce que je savais qu'il allait vraiment très bien. Enfin je le savais et même à un moment donné j'ai pas entendu. Et puis après, plus tard, j'ai dit « Ah, mais c'était le cœur du bébé !»« Ah bah oui, il va bien !» Enfin, pas besoin de savoir ça. Et ouais, je sentais vraiment une connexion, c'était... Non, mais c'est magnifique le message quand elle m'a dit, sur un ton un peu épuisé, mais elle m'a dit « Oh, mais je sens qu'il travaille avec moi et tout, c'est trop... » Ouais, c'était magnifique. Un oubliant, il est courageux et tout, il veut... Il m'accompagne, c'est juste merveilleux. Enfin, c'est incroyable. C'est... Ouais. Waouh! Et tu vois, en fait, tu regardes Milena comme Alexandre regarde Anaëlle et comme Hubert regarde Sandra. Enfin, tous ces couples qu'on a vus éclore dans le mastermind où moi, j'adore, je vois le regard des hommes, vous êtes complètement
complètement sous le charme. Oui, oui. En adoration. C'est vraiment ça, oui. Hein, tu l'as vu. Ça. Ouais, c'est juste, c'est ça. C'est waouh. Ma femme, elle fait ça. C'est waouh. Il y a vraiment aucun adjectif. Et ce qui est beau, c'est que nous, on a besoin de notre homme pour pouvoir réaliser ça. Parce que oui. Même pendant l'accouchement, c'était indispensable que tu restes à côté de moi et que je puisse te tenir les bras, te pousser les jambes. Elle a besoin de moi. Que tu sois là, quoi. On était complémentaires. Donc, c'est pour ça que notre accouchement, parce qu'on l'a fait ensemble, en fait. C'est ça. Bah, vous avez créé votre bébé ensemble, vous l'avez accueilli ensemble. Exactement. C'est une danse. Et Sergio, souvent, les hommes, ils ont peur, en fait. Ils ont peur de ne pas savoir ce qui se passe. Tu disais, la formule gagnante, c'est savoir ce qui se passe, les connaissances et le mindset. Tu peux développer ce que tu nous as dit à l'atelier l'autre jour ? Oui, effectivement, les peurs, ça vient en fait de questions et sans réponse, finalement. C'est ça, la peur. De l'inconnu. Puis, de l'inconnu. Donc, pour parler à ça, bah, écoute, on s'est informé à travers tes connaissances que tu as mis à disposition, à travers des témoignages d'autres personnes, à travers aussi des constatations de professionnels du milieu, des sages-femmes. Donc, du coup, tout ça nous a permis de pouvoir nous réconforter dans le fait qu'effectivement, c'est possible déjà, que si tu l'as fait, si d'autres femmes l'ont fait, Milena peut le faire. Si donc on est tous pareils, je veux dire, on est tous capables de le faire. Si quelqu'un l'a fait, on peut le faire nous aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a maîtrisé cette peur qu'on qualifie de peur, mais en fait c'est juste une incompréhension et juste une. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu, quoi. Donc le fait de prendre connaissance et puis s'informer et de faire ça consciencieusement, eh bien, finalement, bah, on arrive à le faire, quoi. Puis c'est une question de volonté aussi, bien entendu. Oui. Et du coup, dans le mastermind, c'est ça, on a eu des informations techniques et aussi des informations, pour travailler le mindset et arriver au bout. Et les deux ensemble font un bon cocktail pour. Oui, vous voyez que moi je dis toujours accoucher à la maison, ça se fait pas une semaine avant d'accoucher, un petit et si on accouche à la maison, hein, ça se prépare, vous avez vu. Hein. C'est une vraie préparation. Et c'est ça que justement l'entourage ne conscientise pas forcément, où ils se disent mais c'est des fous, enfin ils sont chez eux et puis ils accouchent. Non non, nous ce qu'on leur dit dans notre témoignage justement, c'est que on a pris 9 mois pour organiser ça de manière du matériel, mais de l'organisation autour et de nous et de notre mindset et de comment on allait faire ça. C'était pas justement une préparation. On n'a pas claqué des doigts et accouché à la maison. Non, loin de là. Une logistique interne, des intervenants à mettre en place, des personnes une vraie recherche. De confiance qu'on souhaite qu'ils viennent aussi intervenir au cas où. C'est une vraie préparation, effectivement. Et de préparer. Parce que finalement. Surtout quand c'est un premier bébé et qu'on n'a pas soi-même vécu un traumatisme. Moi, mon premier, comme vous le savez, c'était à l'hôpital, traumatisme. Enfin, je le décris bien dans le livre et aussi dans le cours, parce que je partage mes expériences. Mais souvent, pour un premier bébé, on peut se dire « Ah oui, mais ça arrive qu'aux autres. » Et pourquoi vous, pour votre premier bébé, vous vous êtes dit « Non, 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 mais on ne veut pas juste se préparer avec le parcours classique, les cours à 7 mois de grossesse remboursés par la Sécu, comme on dit. » Pourquoi vous avez fait ce choix, en fait, de vous former différemment ? C'est quand même pionnier, aujourd'hui. Ouais, c'est juste. Nous, on est toujours dans la recherche de l'excellence. Ouais. Ça, c'est un peu notre façon de vivre. On veut toujours le meilleur, le mieux. Et puis, du coup, on ne veut pas juste se contenter d'être là, on suit les règles, on nous a dit de faire comme ça, on ne sait pas pourquoi, on le fait. Nous, on a besoin de comprendre, déjà, avant de faire les choses. C'est ça. Donc, déjà, cette première, je pense, c'est déjà notre façon de vivre qui nous a poussé à faire ça. Mais surtout, on a été déçus par le monde médical, en fait. Du fait qu'en fait, tous les témoignages des personnes que Milena connaît, que je connais, qui ont accouché à l'hôpital, ça a été toujours dramatique. Donc, on se demande, l'hôpital, normalement, c'est censé être un endroit où tout se passe bien. C'est pas le contraire. C'est pas là où, justement... Donc, et puis derrière, on trouve des personnes qui accouchent en dehors de l'hôpital, puis ça se passe bien. Donc, on va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème ?
Puis derrière, bah, on a eu des déceptions à cause de professionnels, notamment dans le suivi. Dans le suivi, dans un gynécologue qui bazarde, et le mot est encore gentil, Milena, du jour au lendemain, sans même lui parler par l'intermédiaire de sa secrétaire, avec un appel téléphonique qui était vraiment désagréable. Enfin, ça peut être traumatisant pour une femme enceinte. Ça peut avoir des répercussions graves. Et je me suis rendu compte que l'humain n'était plus mis en avant, mais c'était plutôt en fait une simple. En fait, on suit des règles sans comprendre qui on a devant. Et ça, moi, ça m'a vraiment heurté. Et puis, bah, c'est de déception en déception. On s'est dit, bah, en fait, il y a un chemin mieux que ça, je suis sûr. Et puis, du coup, bah, à travers toi, à travers d'autres témoignages et à travers nos recherches, nous avons découvert que là, on a découvert la vérité, en fait, que, si je puis dire, c'est qu'effectivement... Oui, et surtout, on en a beaucoup parlé, je me souviens, Milena, on a beaucoup développé le sujet du rhésus négatif, puisque 15% des femmes sont rhésus négatives, hein, en termes de groupe sanguin. Je vais pas partir dans un laïus là-dessus parce que je suis passionnée de ça. On en a beaucoup parlé. Je suis moi-même rhésus négatif. Je me suis retrouvée dans la même situation que toi quand j'étais enceinte, où on me disait, ah, il faut faire ça, il faut faire ça. Et moi, je disais, ben, je comprends pas, expliquez-moi. Ah non, mais faites ce qu'on vous dit, oui. Posez pas de questions. Déjà, un, on n'a pas le temps. Et puis deux, vous êtes trop bête pour comprendre. Bon, je veux bien être blonde, mais j'ai quand même, je sais lire et je sais compter. Je pense que je peux comprendre. Non, mais et bon, quand j'ai commencé à fouiller là-dedans, je me suis rendu compte que les gens qui me disaient de faire ceci ou cela ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et donc, moi, plus je suis dans le dogme, plus ça m'intéresse, parce que je veux comprendre. Et donc, je me souviens, Milena, quand on veut prendre une décision éclairée, il faut savoir de quoi on parle. Effectivement, c'est le but. Sinon, c'est pas une décision éclairée. Voilà. C'est une obéissance. Bon. Pourquoi pas, mais c'est pas le but, hein. Vous êtes pas là-dedans. Et t'es venu. Et puis, chaque fois, tu me posais cette question, mais je veux comprendre pourquoi on insiste tant. Et pourquoi on m'a claqué la porte au nez ? Parce que je voulais pas obéir. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, ce que vous avez vécu, plein de personnes le vivent, que ce soit pendant la grossesse ou après avec leurs enfants. C'est si vous faites pas ce qu'on vous dit, on vous claque la porte au nez. Alors que vous n'aviez que envie d'échanger sur les bénéfices et les risques. Exactement. Ouais. Tout simplement. Alors puis nous expliquer, voilà, si tu prends ça, il se passe ça, pourquoi je te l'injecte. Enfin, voilà, de la commune. Et je sais que Milena, je t'ai vu vraiment aussi te transformer. Oui. Donc, je te félicite aussi de pas avoir succombé à la panique parce qu'on ne sait pas, de t'être formée, d'avoir pris le temps de regarder, parce que j'ai vraiment un cours là-dessus, et de bien comprendre les mécanismes, tu vois. Et du coup, de te réapproprier toi aussi ton choix et votre décision de couple par rapport aux données factuelles. Pas à je ne sais pas quelle croyance, hurluberlu, on parle de données, on a tellement de données là-dessus. Aujourd'hui, on peut prendre des choix là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est aussi, vous soulevez quelque chose d'important, et merci de le partager. La réalité, pourtant, en Suisse, on n'est pas à plaindre. Je veux dire, c'est pas en France, il y a vraiment, on est vraiment dans un étau. En Suisse, c'est encore un petit peu plus cool, mais quand même, vous vous êtes fait jeter à la porte, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment déplorable. Donc, vous vous êtes réapproprié votre histoire et on l'a bien compris, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire à la maison. Milena, comment ça s'est passé ? Ton bébé, c'est toi qui l'as récupéré ? Oui, oui, oui. Alors, comment tu as vécu ce moment ? Parce que bon, tous vos témoignages, vous l'avez partagé dans le mastermind, donc on va pas aujourd'hui, si ça vous intéresse, faut être chez nous. Parce que voilà, c'est pas le but, vous avez votre bébé qui a 6 jours. Donc, comment toi, tu as vécu ce moment-là, et toi, Milena, et toi, Sergio ? Alors déjà, c'était exceptionnel. Enfin, je revis ce moment tous les jours. Je revois ce moment, je revois le bébé sortir. Et ouais, c'était splendide. Dans le sens où, en fait, il est sorti et puis bah, je l'ai récupéré dans les mains. Et j'ai vu ses deux premières... il a pris ses deux premières... bouffée d'air comme ça, et c'était je lui ai parlé, en fait, je lui ai dit, ah, oh, mais tu prends tes premiers souffles, ah, bienvenue. Et après j'ai regardé Sergio et c'était juste de voir ce bébé, la vie, en fait, la vie dans les mains. C'était on a réussi ensemble. Ouais, c'est ça. Moi, je le dis, hein, j'ai pleuré, j'ai cédé à l'émotion, hein, c'était
merveilleux, c'est ineffable, comme dirait Hubert. Hubert qui va témoigner aussi. Il disait, je me souviens quand il vient, ah non, mais c'est ineffable. Et puis là, il regardait sa femme. Il n'arrêtait pas de lui dire un amour, un ma chérie, un moi. Il parlait pas comme ça avant. Crée un lien incroyable. C'est juste merveilleux. Enfin, c'est quelque chose d'intense en fait. C'est un ressenti intense que on ne maîtrise pas. Et c'est notre corps qui nous l'apporte par l'intermédiaire d'actions naturelles. Donc c'est juste merveilleux, quoi. Pendant 9 mois, enfin pendant toute la grossesse, je disais, j'ai rendez-vous avec mon fils le 2 juin. Et je veux pas rater ça. C'est vrai. Je veux que ce soit parfait. D'ailleurs, j'ai une anecdote. C'est que le 22 mai, c'était mon anniversaire. Et puis, elle m'avait organisé une surprise. Elle me dit, je ne veux pas qu'il naisse avant, car je veux qu'on fête notre surprise avant. Mon fils naîtra après le 22 mai. Mais j'avais rendez-vous Donc, avec lui. Donc, elle avait rendez-vous avec lui. Vraiment. Le 2 juin. Même... Et il est né le 2. Oui, ouais, il est né le 2. Et quand il est sorti, je l'ai récupéré dans les mains. Et c'était ça notre rendez-vous, ce premier regard et cette première bouffée d'air, et voilà, c'était ouais. Et vous êtes vraiment investi à fond, je vous félicite, hein. Vous étiez vraiment prêt, ouais, vous avez vraiment bossé, voilà, comme tu disais, ça se prépare, quoi. C'est pas un caprice, on dit souvent, oui, les femmes, le grand Manitou de la maternité Necker à Paris, qui disait, oui, les femmes qui veulent accoucher dans le foin en 2024, je comprends pas. Et en fait... Il est drôle, lui. Oui, il est drôle. Et surtout, ouais, on voit qu'il n'a pas du tout vécu ce que vous avez vécu. Bah, c'était un foin très confortable. On aime bien le foin. Il est très apaisant. Oui, et surtout que votre bébé est super calme, en fait. Ah ben oui. Il est vraiment calme. D'ailleurs, Nos parents nous disent, mais comment il fait pour être aussi calme? Il a aucune, la peau est belle, il est apaisé, tout se passe bien. Bah là, il se repose, là, il dort, hein. On est en train de parler avec vous. On peut avoir des rendez-vous. On peut s'organiser, tout se passe bien. Voilà. Ouais. Ouais. Et un bébé calme, c'est des parents aussi qui peuvent. Oui, en fait, C'est ça aussi, c'est que souvent on pense que l'accouchement, c'est la fin d'un processus, mais vous comprenez maintenant pourquoi je dis c'est juste le début. Oui, oui. Ouais, non, c'est clair. C'est juste le début maintenant d'une nouvelle aventure, et vous construisez ça ensemble avec votre fils. Il y a la mise en route de l'allaitement, il y a le postpartum. C'est vrai que ça aussi, hein, on n'en parle jamais dans les préparations à la naissance. Mais vous aussi, vous naissez en tant que couple, toi en tant qu'homme. Différent. Tu disais, oui, je savais que j'étais un homme. Mais tu sens que maintenant, il y a une nouvelle dynamique. Ah, dans complètement, il y a une vraie confiance en moi qui s'est installée, parce que gérer ce genre de choses, c'est tellement... Qu'est-ce qui est différent pour vous maintenant, quand vous pensez à vous-même? Comment vous vous voyez maintenant par rapport à avant? Bah, on sent... Enfin, je pars pour moi, tu parles pour toi. Moi, j'allais parler... Comment je te vois maintenant? Ah bah vas-y alors, c'est intéressant. Alors, aussi, je dirais comment je me vois moi. On en a parlé hier justement, où Aude demandait, une personne du mastermind demandait comment avoir confiance en son mari le jour de l'accouchement. Donc moi, je suis passée par là où je me disais, est-ce que Sergio sera à la hauteur ce jour-là? Est-ce qu'il saura m'accompagner, être là présent, avoir son énergie, enfin, qu'il soit à fond dans le moment, pas qu'il soit juste sur le côté et puis ben, que je doive gérer tout ça. Et c'est vraiment aussi un lâcher prise là-dessus, ou de se dire, bon, bah, j'ai confiance en mon mari, on est ensemble là maintenant, donc c'est qu'on a confiance l'un en l'autre, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et en fait, d'avoir passé ça et d'avoir témoigné du fait, bah, qu'il était présent et que tout s'est bien passé dans son rôle et qu'il a... Puis qu'on a donné la vie ensemble, voilà. Parce qu'on a donné la vie. Donc là, bah, j'ai vraiment confiance dans l'homme que tu es. Moi aussi, j'ai vraiment confiance en toi. Mais c'est surtout qu'on a confiance en nous-mêmes, quoi. Parce qu'on se dit, si on a réussi à donner la vie, enfin, je veux dire, demain, on peut tout faire, en fait. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire d'autres choses, en fait. Parce que donner la vie, c'est une des choses les plus belles au monde et puis les plus difficiles, je pense. Et puis, et du coup, bah, on est devenu encore plus serein qu'avant, quoi.
Et toi, Milena, comment tu te sens différente maintenant? Ah, je me sens bien. Comme une panthère. Comme une panthère. Faut pas venir t'embêter maintenant. Hein. Elle a l'air gentille comme ça, mais il faut pas venir l'embêter, Milena. Comme disait la sage-femme, douce dehors et forte dedans. C'est ouais. Ça. Je me sens affermie, je me sens bien. Bien dans mes bottes. Là, à ma place. Oui. Oui, oui, c'est ça. J'adore quand quelqu'un le dit parce que c'est vraiment ça. Je me sens à ma place. Yes. Et voilà. Mission accomplie. C'est ça. C'est parti. C'est parti pour un magnifique voyage. Vous allez, waouh. Vous êtes unstoppable, comme on dit. Ça. No limites. C'est ça. Avant, on se dit, ah, peut-être il y a cette personne qui pense si, ou il y a cette chose dans ma famille, ils disent comme ça. Ah, il faut faire comme si, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, aujourd'hui, c'est on est nous, on fait ça, on a fait ça, on décide comme si, c'est tout. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais sur le postpartum, parce qu'on n'en parle jamais, oui. Effectivement, nous, c'est du luxe parce qu'on a certes accouché à la maison, mais on a une sage-femme qui vient presque tous les jours nous voir. Donc, elle nous accompagne pour pouvoir justement l'allaitement. Et une super doula aussi qui vient vous chouchouter. Et hein. J'allais l'ajouter. Une super doula aussi, merci Macha de le dire. Mais la sage-femme nous permet de pouvoir s'occuper du bébé correctement, de pouvoir subvenir à ses besoins, de pouvoir subvenir aux besoins de l'allaitement. Donc ça, c'est super important parce qu'on ne sait pas faire. Et oui. Donc ça permet aussi, comme tu disais, d'apaiser le bébé. Puis derrière, la doula aussi vient s'occuper de la maman. Faire en sorte que son postpartum se passe bien, de retrouver ses marques avec son corps, de reprendre les pieds sur terre, comme elle dit, parce que forcément, comme tu le dis Emma, l'accouchement derrière, c'est la meilleure des drogues, parce qu'on est dans un état second, elle l'est encore, Milena, et je trouve ça magnifique, c'est juste splendide. Et puis, en plus, enfin, on a des repas faits à la maison qu'elle nous apporte, enfin, je veux dire, c'est mijoté c'est avec hôtel amour. 5 étoiles, luxe, quoi, enfin, je veux dire, il y a ouais, pas de c'est quoi. Ça. Ah, et c'est le ça. Pédiatre aussi qui le est pédiatre venu qui est venu à la maison en fait. Donc, eh oui. Bah ouais. Parce que vous l'aviez organisé, parce que nous on a la fameuse semaine sur le postpartum. Je dis toujours, moi il m'a fallu 10 ans et 3 enfants pour aboutir ce programme de préparation parce que je me suis rendu compte à chaque fois qu'il me manquait quelque chose. Et là c'est génial parce que vous avez vraiment, quand je dis vraiment bravo, c'est vraiment, je pèse mes mots parce que vous avez vraiment investi dans même un fauteuil que je conseille. Enfin, il y a des choses très, très simples, mais focus. Ça évite de disperser avec des achats inutiles. Mais vraiment, et vous avez en plus une doula extra. Bah, je sais parce que j'ai eu la même. Hein. Chaque fois, je la conseille à ceux qui sont pas loin de où je suis. Elle fait des petits plats spécifiques pour les besoins du postpartum parce que les doulas aussi, elles sont pas assez mises en avant. C'est pas juste n'importe quel plat. Non, non. C'est vraiment tes besoins. Elle travaille vraiment avec des épices particulières qu'elle ramène de Madère. Donc vraiment, moi, je fais un hommage aux doulas aussi qui se démènent et qui sont les petites fées du postpartum. Vraiment. Et voilà, tout ça, vous l'avez mis en place parce que c'est ça, on construit son propre écosystème pour être autonome et indépendant, no matter what. Exactement. Et c'est ça le luxe aujourd'hui en 2024, c'est l'autonomie. Tout à fait. Et après, on peut dire, bon, ça a des coûts, etc., mais c'est comment on investit aussi. Est-ce qu'on veut acheter des petits ensembles, petits bateaux ou est-ce qu'on veut acheter un siège d'allaitement voilà. C'est ça. Non. Les poussettes à plus de 2000 euros avec les jantes abaissées qui clignotent. Qu'on voit. Non, mais il faut le dire, c'est inutile. Je préfère investir dans le bien-être de ma femme et que le postpartum se passe bien que dans une poussette à ce prix-là, c'est sûr. On va utiliser deux fois. Clairement. Et puis, le fait qu'en plus, je répète, elle est radieuse, elle n'est pas stressée, elle est détendue, elle ne s'est pas déplacée une fois, tout le monde vient la voir. Donc, c'est la reine sur son trône. Elle est dans son trône. On a temporisé les visites encore et puis on les fera tranquillement plus tard quand on aura pris notre rythme, qu'on aura mis bien l'allaitement en place, qu'on aura notre équipe de trois qui est bien formée. Mais c'est vrai, pareil pour les coupelles d'allaitement. On m'a dit, ouais, c'est cher, attends pour les acheter, tu verras.
Mais moi, je les ai achetés et je suis trop contente de les avoir, par exemple. Mmh. Enfin, c'est pas sur ce genre de choses qu'il faut économiser et se dire, ah, bah, j'achète une peluche de plus. Bah, super. C'est exactement ça. Du coup, vous, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des personnes qui hésitent à rejoindre notre communauté? Parce qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment devenu une communauté qui est de plus en plus grandissante. Effectivement, on vous voit, vous êtes rayonnant, on vous sent super fort, super soudé, mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne sait pas comment c'est de l'autre côté, qui hésite? Bah déjà, il faut avoir le courage de se lancer un peu dans le vide quand même. Ouais. Moi, non, tout simplement, si nous, on l'a fait, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. On est capable. On est tous capables de le faire. On n'est pas mieux que les autres, on est tous égaux, on est tous pareils, on a tous un cerveau, on est tous humains. Donc, je veux dire, si nous, on l'a fait, tout le monde peut le faire. Donc, c'est juste une question de volonté et arrêter de se poser trop de questions. Et puis, surtout... Les bonnes questions. Enfin, il faut s'informer, se poser... en fait. C'est ça. S'informer, se poser les bonnes questions. Mais il faut s'informer aussi. C'est important. Ouais, ouais, la désinformation, c'est quelque chose de grave aujourd'hui. On a des informations qui filent à toute vitesse, mais ce n'est pas des bonnes informations. Et on ne prend même pas le temps de les analyser, en vrai. Ben non, on n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est vraiment le bien le plus précieux. Et puis, il y a tellement d'informations qu'après, il faut savoir les trier aussi. Ouais. Donc, vous, qu'est-ce que vous conseilleriez? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? On va finir avec ça. Pour les couples qui sont là où vous en êtes quand on s'est rencontrés. Donc, un bébé en route, l'océan des possibles. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Ah, moi, je dirais d'être conscient, de prendre le temps, de conscientiser chaque chose et de vraiment faire la démarche de la recherche et de se sentir à l'aise dans chaque chose que l'on fait de manière consciente. Et toi, Sergio? Moi, je dirais d'accompagner sa femme, de comprendre ce qu'elle a besoin, ce qu'elle veut, la rassurer et vraiment être vraiment à son service dans le sens répondre à ses besoins. Parce que dans ce cheminement que nous avons fait, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions et puis on a beaucoup communiqué ensemble et puis on a vraiment posé carte sur table pour comprendre ce qui était bien, pas bien. Et puis, même si on avait des interrogations, exemple, est-ce que c'est bien d'accoucher à la maison? Bah, on ne sait pas, bah, on va s'informer. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui nous convient? Qu'est-ce qui nous convient? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Voilà, essayer de répondre à des questions en s'informant et puis surtout accompagner sa femme, essayer de la rassurer au mieux avec des preuves, en fait. Eh oui. Sortir de la croyance. Exactement. La connaissance libère. Exactement. Voilà. Tout simplement. Et arrêter de prendre pour argent comptant de ce qu'on dit parce qu'il a la blouse blanche. C'est pas la réalité, en fait. Ça va au-delà de ça, comme tu disais tout à l'heure. Eh bien, moi, je vous félicite encore. Bienvenue à Orlando dans ce monde. Et je pense que sa première expérience a été vraiment au top, grâce à vous. Vous avez travaillé les trois ensemble. Vous êtes rayonnants. Franchement, vous allez réconcilier les gens avec l'accouchement, la naissance, l'enfantement. Et puis, moi, je dis, c'est ça, enfanter le nouveau monde. C'est ça, en fait. C'est ça, donner la vie. Oui. C'est vous. Bah, vous vous incarnez. C'est le message du mastermind. Ouais, on est heureux de pouvoir le faire, vraiment. Ben ouais. Mais si on devait illustrer le message du mastermind, ben on prend une photo de vous là, et puis c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que vous aviez envie d'ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Oui. Merci Emma. Je pense que la même chose. Merci Emma pour tout le contenu que tu mets à disposition, tout le travail que tu as fait pour réaliser ça. Parce que là aussi, c'est aussi croire en soi pour le réaliser, parce que forcément, c'est quelque chose de mettre ça en avant, c'est juste magnifique. Et puis, on te remercie pour ton suivi, on te remercie pour tout ce que tu as fait. On te félicite aussi, parce qu'il faut le dire, hein, faut aussi féliciter ton travail. Et puis, on dit à toutes les personnes qui nous regardent au jeu ou qui nous regarderont que il faut croire en soi, qu'on est tous capables. Si nous avons réussi à le faire, vous pouvez y arriver. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, on n'est pas meilleur que vous. On est tous égaux. Donc,
Ayez confiance en vous, informez-vous et restez pas sur vos acquis et sur vos peurs. Mmh. Essayez de comprendre d'où elles viennent et puis répondre à vos questions. Voilà ce que je pourrais ajouter. Et encore merci Emma. Et à Pascal, aussi à Pascal, parce que voilà, bah, comme l'accouchement, vous êtes deux pour créer quelque chose. Donc ouais. C'est formidable. Bravo à vous. Ouais. Et continuez comme ça. Ben merci. Tout ça, c'est un travail d'équipe, c'est une communauté et c'est ça, le nouveau monde. Merci beaucoup. Les amis, vous partagez le récit, le témoignage et le rayonnement incroyable. Vous êtes des projecteurs, là, les deux, là, de Sergio et Milena. Et puis, vous avez toutes les descriptions dans la barre d'infos si vous voulez avoir plus de détails sur ce qu'on fait, sur notre communauté. On n'est pas des hippies. Moi, j'adore les hippies. Hein, mais ce n'est pas une communauté, voilà, d'hurlu-berlu, vous voyez. On est des gens normaux. On va pas de plumes. Et on ne va pas danser au lac. Je mets des cravates pour aller travailler. Tout va bien. Voilà, nous, le maître mot ici, c'est se responsabiliser par la connaissance pour avoir une vie libre et autonome et être souverain dans son choix. Voilà. Et si vous correspondez à ce mindset-là, on est peut-être fait pour s'entendre. En tout cas, merci beaucoup pour votre partage. On vous souhaite plein de belles choses avec Orlando. Merci. Et puis, on vous dit à très vite dans le Mastermind et puis à très vite à vous sur YouTube. Au revoir, merci. Merci.